The young boy was bored of his miserable life, but one day he found a magical wand which granted him awesome healing powers. From that day on, he went on a quest for power and glory. Et bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur une petite démo qui se nomme Healer's Quest, comme vous pouvez le voir, avec la petite intro qui dit juste que un jour, un jeune garçon a trouvé une baguette magique et il s'en est servi, voilà. Alors, Healer's Quest, qu'est-ce que c'est? Pardon. Alors c'est un petit jeu qui est... c'est qu'une démo, donc c'est encore, je dirais, en ébauche. Le son est fort, enfin je m'entends pas parler, donc je baisse un peu le son, je m'excuse et je le remettrai un peu après. La musique est très belle. C'est vrai que je le dis rarement ça, mais les musiques sont... La musique là, franchement, est très belle. Je vous laisserai en profiter un peu après, le temps que je fasse ma présentation. Donc, comme je le disais, c'était une petite démo, un petit jeu, qui a été kickstarté. Alors, je pense que les revenus demandés ont été atteints. Il y a aussi une page sur Steam Greenlight. Le jeu est greenlighté, comme on dit. Je vous mets tous les liens dans la description. Donc, c'est édité, développé par une seule personne, Pablo Coma. Et c'est prévu pour sortir fin 2016 ou début 2017, je sais pas encore. En tout cas, on va découvrir ça un petit peu ensemble. J'ai juste fait le début pour voir un peu de quoi il s'agissait, et ça a l'air d'être très prometteur. Donc, je mets en français, je remets le son un peu plus fort, et je vous laisse un petit peu apprécier la musique. Il y a le peu que je n'ai vu, il y a un petit peu d'humour, voilà, bon, ça, il y a un humour classique, mais c'est très sympa. Il y a un petit humour un peu décalé qui se prend pas au sérieux. Un petit peu aussi dans le ton RPG. Où en fait, bah, c'est vrai que je n'ai pas parlé du concept parce que je le connais un petit peu, le fait d'avoir vu le trailer. C'est au lieu de jouer, je dirais, classiquement le groupe de l'archer, du guerrier, du barbare et du magicien contre des monstres, en fait, on joue le soigneur ou la soigneuse. De ce même groupe-là, on joue le healer. Là. Souvent, il y a ça dans les RPG. Et justement, on doit gérer, justement, donc un petit peu une question de gestion aussi de son groupe, et je trouvais ça très très sympa. Et je vous ai dit que je vous laisserai la musique alors que je parle par-dessus. On va commencer, voilà, sinon on va pas forcément y arriver. Alors, quelle phrase correspond le mieux à votre style de jeu? Parce que oui, avant de commencer, on établit un petit peu, bah, c'est du RPG, donc il y a un petit peu de personnification, ça c'est sympa. Personnalisation aussi, plutôt. Plus que de la personnification, bref. Alors, quelle phrase de jeu? Vous n'aimez pas les challenges? Arrêtez de jouer aux jeux trop difficiles. On va faire, ça c'est une question de difficulté, on va faire la difficulté moyenne. Mode normal? LOL! Je savais que tu ne sélectionnerais pas le mode le plus difficile. Ah mais je t'emmerde, espèce de troll sans yeux. Donc là, voilà, on peut établir notre personnage. Alors, avec des petits messages un peu marrants. Robe d'RPG occidentale, ceinture JRPG et robe. Soigneur relax. Ah non. En slip. On va la jouer. Allez, un petit peu n'importe quoi. Alors là, déjà, on va se mettre en slip. On va essayer de la faire un peu n'importe comment. J'en reviens de ne pas avoir mon chapeau pour savoir ce que j'ai comme cheveux. Voilà. On va faire un bébé. On a que 3 types de cheveux. En type moine. Je pourrais tomber amoureux de lui, ouais. Moi, j'aime bien les cheveux longs comme ça. C'est stylé. On peut lui mettre de la barbe. La grosse barbe. J'aimais bien le petit collier comme ça, sympa. Nez normal, un petit nez, un grand nez. Normal. Il me fait marrer, on dirait vraiment un bébé avec sa couche blanche et puis on dirait un hocher. Alors après, il y a le chapeau du schtroumpf, le chapeau de soigneur, voilà, le bandeau de soigneur, le capuchon. Et les chapeaux, ça craint, ouais. On peut trouver aussi une baguette un peu... 3 types de baguettes. On va prendre la Stylish. Couleur de peau. Hop. On va faire... Si on le mettait en rouge. Quoique, attendez, non, je crois qu'il y a d'autres couleurs aussi. Non, ça c'est pour les cheveux. On va mettre les cheveux bleus comme ça, là. Bleu pâle. Hop. Couleur de peau peut être très blanc, très noir. Hop, on va mettre entre les deux, vous savez. Tac. Du coup, c'est un peu plus... ouais, un peu dans les tons rouges, orangés. On se rapproche de quelque chose d'exceptionnel, en effet. On peut ensuite... Alors ça, on peut mettre que 3 à 7 caractères... Enfin, c'est une sorte de fourchette. Et tous les noms, en fait, se terminent en I. Donc on va garder Jimmy. Jimmy le soigneur. J'ai pas trop d'idées, à vrai dire.
ouais, de nouveau comme la minarette, ça c'est clair. Hop, et on termine. Ah sinon, il y a encore ça, alors le karma. Ouais, bon, pouvoir de karma, je sais plus. Soigner ce qu'il est, tout ça, 62% plus efficace. Ouais, on va mettre ça. Perso, je sais pas trop quelle influence ça a sur le jeu, mais bon, on verra bien. Donc voilà. On personnalise un petit peu notre perso. Et ça, j'aime bien. J'aime toujours ça, de toute façon, les RPG, c'est personnaliser son perso. C'est mon jour de chance. Cette baguette me donne d'incroyables pouvoirs magiques. Il faut que je montre ça à ce brave Tanky. Il n'en reviendra pas. Et d'ailleurs, je m'excuse un petit peu si par rapport à ma voix, je suis un peu malade, donc ça, j'ai un peu le nez bouché. Donc désolé si ma voix est pas forcément très audible. Hé, hey, Tanky, tu vas bien? C'est toi, Jimmy? T'inquiète, je gère. Mais tu es blessé. Ne me dis pas que ces deux petits rats te donnent du fil à retordre. Du fil à retordre? Tu délires. C'est juste qu'ils m'ont pris par surprise. Ouais, la musique est vraiment forte, là. Je vais baisser un petit peu, quand même. Attends, je vais te soigner. Alors, sur le chevalier et garde le bouton enfoncé. Donc, clic gauche pour heal le chevalier. Heal-le, voilà. Et ça lui remonte sa vie. Donc voilà un peu... gérer notre rôle en slip. Alors, vous avez passé la jauge de surchauffe de votre baguette. Pardon. Votre sort de soin devient moins efficace quand elle se remplit. Donc ça, voilà, c'est notre, ouais, notre barre d'action. Ça, c'est les ennemis. Donc voilà, lui, il combat les ennemis. Eux, ils combattent. On va dire, les PNJ combattent. Et puis nous, on doit les soigner. Piger. Waouh, c'est quoi ce truc? Impressionnant, hein? Ce cercle bleu près de mes pieds indique que ma compétence spéciale est activée. Hein? Pigé. Quand j'ai plus de 85% de vie, mes attaques dévastatrices infligent encore plus de dégâts. Ok. Pigé. Le double des dégâts normaux. Alors, oublie pas de me garder en bonne condition, Pigé. Pigé. Donc en fait, lorsque la barre de sa vie atteint le petit trait blanc, bah, il fait bien plus de dégâts. Donc c'est intéressant. Là, il fight. Donc on va tâcher de le garder en vie. Voilà, il est full. Et puis il y a un mec qui vient pisser derrière. Oh, il a fait un critical. Hop, un rat en moins. Ah, je suis au burn-out là, j'ai fait trop de heal. Bon là, il peut le terminer, je pense, facilement, non? Donc le garde derrière. On va mettre sur pause. Commençons de nouveau pouvoir. Ouah, pas trop mal, maintenant, excuse-moi, j'ai des choses à faire. Et attends, je t'accompagne. Ok. J'ai pas eu le temps de voir le menu qui est en bas, on va le découvrir après. Alors. Alors, Tanky level 2 a gagné 10 gold, ok. Moi, je suis level 2, donc j'ai gagné un niveau. Plus 10 mana. Ça, c'est cool. J'ai gagné une hache de guerre. Double la vitesse de récupération du mana. D'accord, donc du coup, mon mana se régénère plus rapidement. Inventaire, carte. Pour inventaire, j'ai quoi? Bracelet, statut. Ah, attends, mais j'ai pas gagné un truc. Arme. Ah, bah non, elle est déjà assignée. Ok, bon, ça c'est l'inventaire. Alors là, on arrive à un deuxième combat. Tiens bon, Grumpy, je viens t'aider. Grumpy? Ouais, je suis un barbare. À vrai dire, c'est un bûcheron. Oh, tu as aussi de la magie bleue à tes pieds. Je parie que c'est ta compétence spéciale, pas vrai? Elle s'appelle Rage du Berserker. J'inflige d'énormes dégâts quand j'ai moins de 30% de vie. Donc, sauf lui, à l'inverse de Tanky, ben c'est quand il a moins de vie qui fait encore plus de dégâts. Donc, faut quand même faire gaffe parce que, mais ne me laisse pas crever sinon ça va barder. Et oui. Freud. Donc voilà, ça se résume un petit peu à ça, alors après on verra un petit peu les nouvelles fonctionnalités, mais je trouve ça assez intéressant. Alors vous n'avez plus de mana, appuie sur R pour activer Meditate. Ah oui, c'est ce que j'ai activé avant. Ah oui, alors il y a Q, W, E, R, donc c'est des skills qu'on peut activer au cours de partie, d'accord. R. Ok. Victory. Et du coup, ça me permet de régénérer ma mana plutôt plus rapidement. Là, on va découvrir Darky. Ok. On gagne de l'XP. Niveau 3, boum. Et j'ai appris Sloan Skin. Réduit les dégâts reçus de moitié pendant 6 secondes. Ça, c'est bien ça. La map. La tutorial town. La ville du tutoriel.
Ok. Ah bah zut, je viens de le refaire. Bon, c'est pas grave. Je viens de refaire le même niveau, bon, c'est pas grave. Et alors là, je peux faire pause. Ah oui, d'accord. Alors, on peut fuir, d'accord, on peut revenir au jeu. Et on peut abandonner ici, alors c'est comme fuir en fait. D'accord, je découvre un petit peu aussi. Hop. Victory! Ah, du coup, j'ai refait le combat et je gagne encore plus d'XP. Et j'ai gagné une hache. Alors, est-ce que ça, je peux l'assigner à quelqu'un? Genre à Grumpy. Alors, hache de guerre. Ouais, est-ce que ça, je peux lui assigner? Non, lui, là. D'accord. Alors, plus 1, plus 3. Quand Stone Skin est actif sur Grumpy, d'accord. Ah, ça va être bien, ça. Ok. Voici Darky, donc, le magicien. Mais regardez qui voilà! Tu vas encore me demander de rejoindre ton équipe pourrie, Tanky! Ouais, on a trouvé un donjon secret qui déborde de trésors. Viens avec nous! Ouah, c'est trop la classe! Ouah, c'était sobre, on va dire. Jimmy, laisse-moi m'occuper de ça. En fait, j'ai nullement l'intention de rejoindre votre équipe, et la raison est la même que d'habitude. Il te manque une fille dans ton équipe. D'accord. Il y a des filles canons dans tous les RPG, alors trouve-en une et je changerai peut-être d'avis. D'accord. Hé, hey, regardez, un elfe. Je suis archer, imbécile. Il n'y a pas que les elfes qui portent des arcs. Tiens, il a aussi un effet bleu près de ses pieds. C'est ma compétence spéciale, instinct de survie. Oh putain, il est gros le gras, le gras. Le rat, je l'avais pas vu. Elle s'enclenche quand mon équipe est en train de perdre le combat. La flèche au milieu de l'écran, en bas, pointe vers l'équipe qui gagne le combat. Ah oui, la jauge, d'accord, ah, intéressant. Ça n'arrivera pas, on va vous aider à démolir ça. Donc, ok, donc ça c'est pour dire qui est en train de gagner. Intéressant. Je tourne les mains, voilà, ok, ça j'ai compris, j'ai compris. Merde, Grumpy est mort. Déjà je peux faire Stone Skin déjà, voilà. Est-ce que je peux ressusciter? Non, je peux pas ressusciter. Ça, j'ai compris. Allez, heal. Ah, donc là, on est en train de perdre, là. Hors de mana, merde. Alors si je méditais... Ah bah c'est bon, victory. Alors j'ai pas trop vu ce qui se passait, ce que j'ai regardé la barre en dessous, mais apparemment notre archer, qui n'est pas un elfe, nous a fait gagner le combat. Soyez rassurés, mademoiselle, les monstres sont partis. Mademoiselle, je suis un homme, je suis le comte Rupert von Liechtenstein. TLDR, pas compris là. Pas grave, il fera l'affaire, mais t'es mort toi. Ouais, à partir de maintenant, tu t'appelles Beauty. Oh, purée. Arc sanglant. Régénère 10 PV par seconde pendant 7 secondes. D'accord. Alors est-ce que je peux assigner le nouvel arc? Perd 1 PV par seconde. Ouais non, arc solitaire c'est bien. Oula, on peut avoir plein d'anneaux aussi qu'on peut affecter. D'accord, ok. Donc il nous manque juste, voilà, Darky. Oh oh oh, elle est ravissante. Quoi? Et dis donc, je t'énerve pas, mec. Il ne voit rien avec son chapeau, de toute façon. Ok, je viens avec vous. Allons chercher ce trésor. Oula, des brigands. Et vous autres, vous avez blessé nos frères, on va vous faire payer ça. Alors, quand vous utilisez le sort Heal, vous verrez parfois une très grande étoile sortir de votre baguette magique. Quand cette grande étoile atteint un allié et disparaît, cliquez sur lui. Le timing doit être précis, d'accord. Cette action vous donnera plutôt un boost de soin et diminuera la jauge de surchauffe. Ok. Essayez cette technique sur le chevalier avant que le combat commence.
Merci pour passer. Ok, je crois que j'ai réussi, j'ai pas trop compris vraiment comment, mais je crois que j'ai réussi. Et c'est quoi sa compétence à Darky là alors? Ah merde, Grumpy! Ah oui, mais lui à chaque fois je me fais avoir. Soigne moi, oui, j'arrive, j'arrive. Mine de rien, il faut être attentif, hein. Je passe une mana. Faut que je méditate autrement. C'est bon, il en reste plus qu'un. Victory! Ouais, bah il faut de la maîtrise, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de trucs qui se passent à l'écran. Grumpy est encore mort, donc il n'aura pas d'XP. Pour Grumpy. Et j'ai appris une nouvelle technique, d'accord. Est-ce que je peux me les assigner, ça? Un anneau aussi. Alors, bah, il y en a fait. Anneau anti-rat. D'accord. Ah bon, on va l'assigner à lui, tiens. Vu qu'il meurt à chaque fois. Alors, quel est le plan maintenant? Le roi nous a demandé d'aller tuer le dragon de Classical Dungeon. C'est à quelques kilomètres au sud. On va se paumer. J'ai jamais rien pigé au point cardinal. T'inquiète, on ne peut aller qu'au sud de toute façon. Sérieux? Ça craint. T'inquiète, c'est juste la démo pour le Kickstarter. Le jeu final sera un putain de monde ouvert. Ah ouais? Vraiment un monde ouvert? Hein, pas mal. C'est toi qui le dis, pas le développeur. Et qu'est-ce qu'on y a y gagner dans ce Classical Dungeon? Or et gloire seront notre récompense. J'ai déjà plein d'or et de gloire. Il veut dire or, gloire et fab. Ok, on est parti. Je peux vous accompagner? Désolé Jimmy, tu ne peux pas infliger de dégâts, tu serais un boulet. Mais je peux vous soigner. Ah oui, j'ai pas remarqué. Laisse-le venir, il trouvera bien un moyen de se rendre utile. C'est clair, on pourra le bouffer sur ton parcours de barbe. Use keyboards. Ah bah ça s'est remis en anglais. Utilisez les flèches directionnelles ou la souris pour bouger votre personnage sur la carte. Ok, cool. Cool, cool, cool. Bah écoutez, on va continuer un petit peu. Donc on peut faire dans l'inventaire avec I, voilà. Et on peut accéder au menu. Oh, il y a un coffre là-bas. Oh, des bandits! Oh, ça ressemble bien à une rencontre aléatoire. Une rencontre aléatoire? Vous pourriez être un peu plus respectueux. C'est une embuscade, soigneusement planifiée. Ouais, vous savez au moins depuis quand on se planque ici en attendant que vous passiez. Vous pensez que c'était amusant de jouer à des jeux match 3 sur nos téléphones portables pendant des heures? Ne leur donne pas trop de détails. Pixmail. Bon, on pourrait peut-être penser à faire le combat. On a un donjon à atteindre avant la nuit, nous. Oitch. C'est un style d'humour qui est vraiment sympa, honnêtement. C'est le côté un peu décalé qui est sympa. Darky, Darky, merde, Darky! Oui, bah j'ai vu que je prends une perte de combat! Oula, 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 vite, vite, vite! Pourquoi je peux plus les... Ouh, c'était limite là! J'arrivais plus à les soigner là! Ils sont tous morts! Alors, upgrade spells. Oula, alors. Bienvenue dans la forêt des compétences. Souhaitez-vous un tutoriel rapide? Lol, nope. Oui, s'il vous plaît. Voici l'arbre de compétences du sort Heal. Il se lit de haut en bas. Cliquez sur un sort situé en haut de l'écran pour voir l'arbre de compétences de ce sort. Oh, mais il y en a plein, en fait. Quand votre personnage gagne des niveaux, vous gagnez des étoiles magiques. D'accord. Si vous avez assez d'étoiles magiques, vous pouvez améliorer un sort en cliquant sur une icône sur brillance. Attention. J'ai pas vu la suite. Voici votre stock actuel d'étoiles magiques. Oui. Et voici le nombre d'étoiles nécessaires à l'amélioration de ce sort. D'accord. C'est tout, bon amusement. D'accord. Donc, ok, donc je peux. Alors, par exemple, heal.
bon, ça c'est celui que j'ai. Ah, je peux en faire qu'un en fait. Bon, on va faire ça, hein, écoutez. Hein. Ah non, il m'en faut plus. Ah, j'ai déjà... Ah bah j'ai déjà plus mon étoile là-bas. Ok, bon, j'ai pas compris ce qui s'est passé, à vrai dire. On va aller chercher le coffre. Oh, une embuscade encore. Non. Waouh, un trésor. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qu'un coffre fait en plein milieu de la forêt? Rien à battre, ouvrons-le. Ah bah bien joué. Bravo champion, le coffre a explosé et je suis à peu près sûr qu'il est vide. Pas tout à fait, il y a un parchemin à l'intérieur. C'est peut-être une carte au trésor. Ou un nouveau sort pour moi. Quoi que ce soit, ça m'appartient. Voyons voir. Mais le diable, c'est juste un vulgaire message. Qu'est-ce que ça dit? Lol, noobs, les trolls. Avec le facepalm. Ils nous ont bien trollés. Et nous paierons cet affront. Ok, c'était juste un troll en fait. On peut pas aller plus vite? Non. Eh bien, continuons. Random Nameless Cave. Encore un combat contre des rats. Rats en approche. Pas possible, il y a des rats partout dans ce pays pourri. Oh, les rats sont un grand classique des RPG. Avoir plein de rats au début du jeu est une contrainte du genre. Désormais 500 disponibles, mais vous ne pouvez en équiper que 4, en effet. Cliquez sur le bouton Spellbook pour accéder au livre des sorts. D'accord. Vous pouvez changer les sorts d'équipe avant le combat en les déposant sur la barre des sorts. Ok, cool. Strength. D'accord. Super heal. Ok. Bon, écoute, on va laisser comme c'est. Hein. On va pas commencer à tout changer. Ok, on peut vraiment accéder à son inventaire juste avant chaque combat, ça c'est cool. Fight! Ça va le faire. Victory! Victory! Ça me fait marrer. Ok, cool, cool, cool. Bracelet de soin. Alors, on va s'équiper un petit peu lorsqu'on avait gagné un truc avant. Anneau, non, arme. Non plus. Ah ah. Les boules de feu, je les gagne. Moins 10 dégâts contre les flammes. Ah, bon, c'est une soirée. Chaque 5 secondes, un allié aléatoire gagne 10 PV. Ah, cool. On continue. Mais derrière, la démo est assez gourmande. On va voir ce qui est. Voilà, le classical dungeon, voilà. Il y a un autre coffre en bas à gauche. Ouh, des trolls sur un pont. Eh, frangin, regarde qui se ramène. Ah, une bande d'aventuriers noobs. Franchement, sorti du tutoriel. Ouais, et je parie qu'ils se rendent à leur tout premier donjon pour débutants. Déstabilisation, défense, moins. Et on dirait qu'ils ont même ouvert notre coffre surprise. Ah oui, d'accord, c'était les trolls, mais... Et vous avez fait une attaque de base... vous savez faire une attaque de base, au moins? Sélectionnez attaque et cliquez sur OK. LOL. Ne répondez pas aux trolls, les gars. Don't feed the troll, voilà. Allez, let's go. Ouah, il s'est fait pris un gros coup. Et merde. En même temps, c'est des trolls, hein. Stone skin. Je pense que je gagnerai un sort à un moment dans le jeu qui permet de ressusciter parce que du coup, c'est un petit peu compliqué. Oui, bah, deux. Ah, Darky! Et voilà, il est mort. Bon, il reste plus grand chose là. Voilà, Victory!
leur marche dessus. Bracelet défensif et j'ai appris remédie. Guéri un état anormal, d'accord. C'était pour qui le... Ah, je crois que c'était un bracelet. Soit pour moi. Ah non, bracelet défensif, tous alliés ont. Non, ça j'aime bien ce bracelet de soin. Allez, on arrive au donjon classique. Super, on est arrivé au donjon. Ah oui, mais il est tout petit. Jimmy, tu n'as jamais été dans un donjon. La plus grosse partie est sous la terre. On va dans Classical Dungeon. J'ai entendu dire que cet endroit était maudit. Quiconque pénètre en ce lieu devient fou. Ce sont des rumeurs. N'écoute pas ce que les gens disent. Il n'y a aucun risque. Ouais, de toute façon, on est déjà fou. D'accord. Eh ben, les combats. Ok, les gars, on y est. Notre premier donjon. C'est excitant. Des rats et des chauves-souris, comme c'est banal. Arrête de râler, le premier donjon, ça doit être un truc classique. En même temps, ça s'appelle le Classical Dungeon. Fight. Grumpy, à chaque fois, c'est lui qui meurt en première. Ah bah ça y est, j'ai fait un burn-out. Allez, plus que la chauve-souris. Voilà. Heureusement que j'ai mis... Quoi, j'ai mis mode normal. C'est vrai. Je vais mettre encore plus facile. Hop, level up pour Tanky et pour moi-même. Oh non, la démo est terminée. Ok. Quoi, déjà, ce développeur se moque de nous? J'ai bien peur qu'on doive attendre que le jeu soit fini avant de continuer l'aventure. Et nos récompenses alors? Oh ta gueule, il y a des enfants qui meurent de faim partout dans le monde et toi tu ne parles que de tes récompenses. Si tu veux des récompenses, faut participer au Kickstarter du jeu. C'est rempli de récompenses. Écoute Tanky, je me suis mis en danger pour gagner à peine 38 pièces d'or. Je ne compte pas les donner à un type inconnu qui ne m'a même pas fait un jeu à succès il y a 20 ans. Alors j'ai bien peur qu'on reste bloqué à l'entrée de ce donjon pour toujours. Hé hey, Jimmy, tu ne dis plus rien, qu'est-ce qu'il te compte faire toi? Je vais donner ton âge en mec, puis je vivrai sous les ponts. Je participerai, je dirais même la campagne d'un jeu Match 3. J'ai pas compris la référence à chaque fois. Oui, je sais pas quoi répondre. Allez, boum. J'en qui aura pour karma. Ok. Bon, du coup, on n'a pas forcément tout vu dans la démo, puisqu'il y avait... une cave et puis il y avait un autre coffre, donc je pense qu'il y avait une autre petite ligne de dialogue. Est-ce qu'il y a un endroit où cliquer? Non, bah c'est la fin, ok. Bon, bah de toute façon, je comptais pas forcément aller plus loin. Bah, c'est sympa, c'est assez original, avec un petit peu un air décalé, donc c'est assez marrant. Après, c'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses à l'écran et je pense qu'il faut vraiment bien gérer son truc. Avant de pouvoir se lancer en quête, parce qu'on gagne pas mal de skills assez rapidement, mine de rien, faut savoir gérer, donc je sais pas, au moins ça a le mérite d'être un peu original, d'être visuellement pas dégueulasse, la musique est sympa, il y a un petit peu d'humour, il y a le côté décalé qui est sympa, moi j'aime bien. Donc voilà, c'était la démo de Healer's Quest, je vous mets les liens dans la description si ça vous intéresse. Merci d'avoir regardé cette vidéo, puis à très bientôt pour une prochaine. Salut !